on ne présente plus Franck Dubosc. À 59 ans, l'humoriste et comédien a une carrière à faire pâlir plus d'un acteur en herbe. En effet, l'ancien complice d'Elise et Moon pour leurs petites annonces, a joué dans plusieurs films à succès dont la fameuse saga Camping, très appréciée du grand public. Mais la vie d'artiste est parfois difficile, surtout quand elle nous emmène à être loin de nos proches. Franck Dubosc @bestimage. Une adorable déclaration. Papa de Raphaël, né en 2010, et de Milan, né en 2012, Franck Dubosc semblerait ressentir le manque de ses fils ainsi que de sa femme Danielle qui sont tous à Paris. Si est-il sur Instagram qu'il a alors partagé une photo de sa famille qui profitait d'un moment dans la piscine. Nous pouvons y voir les deux garçons embrasser la joue de leur maman toute souriante. En légende du cliché, l'humoriste a écrit « Loin de Paris depuis trop longtemps, ma famille me manque ». Se pourrait-il que l'acteur et réalisateur soit encore pris par le tournage du film Les Prodigieuses? Pour rappel, c'est en mars que ce projet a débuté sans qu'il n'ait encore de date de sortie annoncée. Une belle histoire d'amour avec Danielle. C'est en 2006 que Franck Dubosc commence à former un couple avec Danielle. 3 ans plus tard, le couple décide de se marier à la mairie de Neuilly-sur-Seine. Depuis, il n'hésite pas à s'afficher auprès de celle-ci, tout en gardant pour lui les détails de leur vie de famille. Toutefois, il se confie de temps à autre, notamment sur son rôle de papa. Et si on pouvait croire que ses enfants allaient passer leur temps à rire avec un père humoriste, cela ne serait pas vraiment le cas. En 2016, Franck Dubosc déclarait à Paris Match, « Je ne fais pas du tout rire mes enfants. Ils s'en foutent totalement de ce que je suis, de ce que je fais et c'est tant mieux. Peut-être se sont-ils aujourd'hui faits à son humour, eux qui le voient désormais un peu comme un grand frère. »